nobody contacts, honestly. Here we go. Extrait également du répertoire de Fitz Baldermaker, mais pas seulement, c'est un morceau grand écrit par un pianiste noir. Fitz était un tout petit blanc, violon blanc. Ah bon. Ce qui commence à être mieux. Comme disait Claude, notre ami Claude Villaro. Alors, un comic virginien. Pourquoi comme ça? Parce que Virginie, voilà. I'm coming, Virginie. C'est un très joli morceau, et je crois que c'est moi qui joue le thème. Avec une magnifique introduction du piano de Michel. Thank you.
brièvement pour faire un petit peu didactique. Donc Pierre, la guitare, nous a évoqué l'existence du premier grand guitariste de jazz de l'histoire, Eddie Lang, donc un guitariste qui jouait avec Bix. Et puis tout de suite après, Eddie, il y a eu Django. Je vais vous lire son message très artien. Voici une pièce de Clarence Williams, en français Clarence Williams. Ça s'intitule Cushion Footstone. Non, c'est pas pornographique, mieux. Un morceau qui concerne le coussin à pied, Cushion Foot. C'est un truc où je crois que Roger va développer tout son art de la clarinette. De la dentelle à la clarinette. Thank you.
si on était dans le cœur des années 20, 25, 26, 27, dans les boules, les concerts à l'époque, hein, c'est des boules très mal famées, avec des femmes en résidu, pourquoi ne pas le dire, et puis des clients assoiffés. Donc l'orchestre était là pour faire danser, hein, parce que plus on danse, plus on boit, et plus on boit, plus on peut s'amener au plaisir pervers de la sexualité douteuse et tarifée. Eh bien oui, c'est comme ça dans le temps maintenant, c'est bien fini. Nous vivons enfin dans une société sans tâche. Là, soit peut-être un jour. Bien, je continue la suivante. Alors, c'est quand même ça, c'est nous. Là-bas. Alors, les jeunes gens de cet orchestre appellent ce morceau la bassine de frites bleues. Bon, alors, vous savez que ça existe. J'ai acheté des paquets de chips bleus. C'est Terra. Terra Nova. Terra. Donc de terre d'origine de là-bas, quoi. D'Amérique, puisque c'est l'Amérique, c'est pas moi. C'est un message. Stasini, je ne sais pas par là. Et donc il y en a des bleus. Mais là, ça n'a rien à voir. En fait, là, vraiment, c'est Basin Street Blues. C'est le bleu de la rue du bassin. Je connais mal la vie.
Thank you.
c'est pour ça que nous allons évoquer la musique anglaise qui était en vogue aux États-Unis, aux Antilles déjà même, et puis aux États-Unis dès les années 20. Et d'ailleurs, Jean-Paul a, dans sa partie vocale, cité le fameux thème Peanuts Bellorum, qui avait été immortalisé par les Simpsons. Maria, la 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 la. Voilà. C'est pas terrible comme blague. Ils sont pas trop parce que je passe même au milieu. Le gars me dit, dans un entier. C'est pas moi, je suis beaucoup trop intelligent. Le morceau suivant, c'est le. Nous passons le volume 3 de Casper Orbeck. Big Spider Becker, qui s'appelait Bix parce que c'était la combinaison de Bismarck, qui n'est pas très populaire en milieu. Et nous passons donc à la partie néo-musienne avec Oriental Strap. Un morceau donc de Oriental Strap, immortalisé par Johnny Dodds, non, c'est ça? Et Johnny Dodds, grand clarinettiste aujourd'hui. Voué aux gémonies, perdu dans les oubliettes de l'histoire, les poubelles du jazz, alors que lui et son frère Baby, William Baby Dodds, qui était un grand batteur des deux frères, éclairaient le jazz aux côtés de leur sang dans des proportions qui sont aujourd'hui, tant leur influence est grande par Baby Dodds, presque tous les batteurs, même de free jazz, se réclament de Baby Dodds. D'un goût. Voilà, alors donc de son frère Johnny, nous avons eu Oriental Strut.
Crazy Rhythm. Et quand vous écoutez la version originale, le Crazy Rhythm, il n'est pas très crazy. Mais par la suite, des jeunes gens bien intentionnés ont utilisé ce morceau au titre prometteur pour en faire une débauche. Et notamment, une session qui a eu lieu à Paris, si je ne m'abuse, comme dirait le docteur, et qui comprenait, outre Django Anna et le quintet de France, que je dise pas de bêtises, Alix Combal, qui était le meilleur sax tenor à l'époque, André Équian, qui était un saxophoniste alto, dont on, vraiment, on ne mesure malheureusement plus, en tout cas plus assez, l'importance et la magnificence, et puis les deux maîtres venus des États-Unis, qui est nommé Benny Carter au saxophone alto et Coleman Hawkins. Voici donc notre version, bien entendu, nous ne pourrons jamais arriver à la chute de ces géants, mais ils nous ont insufflé par le disque une part de leur génie, de leur swing, je l'espère, et nous allons tenter de vous faire swinguer ce crazy rhythm. Thank you.
Merci, merci, merci. Encore 10 grammes de perdu, mais non. Bah encore 550 morceaux comme ça ce soir, mais j'aurais perdu mon kilo. Ah bah moi je suis prêt à tout pour voir le résultat. Oui, tiens, à propos de ma femme, j'en profite pour dire que j'ai apporté ce soir un CD que j'ai enregistré avec elle, de chansons françaises du jazz à l'intérieur. Mais que je vous apprécierai pour je sais pas où ça se vend, par contre. Il y a le vôtre aussi, hein. Oui, c'est possible. C'est dans quel secteur géographique? C'est vers la sortie ou c'est là? Non, c'est pas. Vers la Seine. Vers la Seine. D'accord. Ça se fera là. Ça se fera là. Bien. Je l'approuve. Mais oui. Bien. Candidat suivant. Alors, un titre un peu difficile à prononcer pour Jean-Paul, qui a appris l'anglais à Rhodes. À Rhodes ou espagnol? À Rhodes. Ville-Franche-de-Rouen, ça c'est carrément. C'est l'ouest du département. Alors, le morceau s'intitule Blues, My Note is What You Give to Me. Et il a été illustré entre autres par Christine Michel et puis d'autres qui s'appellent Albert Esther, peut-être, oui, Albert Esther. Et il y a une version par Lynn Zitrone, très rare, très rare. Voici donc Blues, My Note is What You Give to Me. Le blues que ma vilaine amoureuse m'a refilé. Vous voyez, le genre de blues que c'est. Thank you.
je l'ai bien exprimé. Ah, je sens que je vais être obligé encore de me livrer à une chorégraphie grotesque. Mais c'est dans le contrat. Un morceau qui a été enregistré pour la première fois en 1936, si je ne m'abuse. La première fois, c'est 1936. Par une petite formation hamiltonienne dirigée par Barney Wigard, le magnifique clarinettiste de cet orchestre, qui jouait déjà dans un orchestre que j'ai évoqué tout à l'heure, les Dixie Syncopators, de Kimmelver. Et Barney Wigard, donc, a enregistré ce morceau en petite formation. C'était une composition originale du tromboniste à piston de l'orchestre, Juan Tizol, et comme il se doit, a été co-signé par Duke Ellington lui-même et par Barney Wigard, puisque c'était lui qui a donné son nom à la séance. Et ce morceau est devenu un succès mondial que beaucoup jouent encore, puisque même nous le jouons. C'est pour vous dire, la dernière reprise, comment dirais-je, de renommée mondiale ou quasi mondiale a été opérée par notre pauvre ami Michel Petrucciani peu avant sa disparition. Il s'agit bien entendu du célébrissime Car. Thank you.
Et bien on va terminer sur un morceau vacarme. Vous avez vu quand même qu'on a joué beaucoup de morceaux assez rapides. Et qu'on n'a rien vu. Et on a foi face. Oui. Mais de toute façon on va les voir dans pas longtemps. Ah elles sont là les bouteilles. On aurait dû. Merci. On est venu. Il lui fallu. Parce que si on boit, on va faire manger. Là, on s'arrête parce qu'on n'est pas bu. Alors, le morceau s'intitule Stevedore's Tramp. C'est une belle composition, un arrangement de Duke Ellington aussi. Vous voyez, on ne quitte pas Duke, ce sont évidemment les débuts de l'orchestre Duke Ellington. Après, il y aura 50 ans, un siècle de création, de swing, de beauté au service de la musique avec ses acolytes, les Johnny Hodges, les Cootie Williams, etc., les Barney Bigard, les Lawrence Brown, et surtout son acolyte arrangeur et pianiste, parce que vous voyez, c'était le meilleur arrangeur, un des meilleurs pianistes américains, et il a embauché un gars qui jouait du piano et qui faisait des arrangements, et qui s'appelait donc, le gars qui a composé The Schleif, et Crazy Drake, hein? Billy Strayer. Ah, c'est dur. C'est parce que j'ai pas assez bu. Tout. Et oui, et j'allais y penser, hein, j'ai Billy Strayer. Et après, on embauchait Ben Webster, et puis après, on embauchait Paul Manzan, mais c'est tous des magnifiques musiciens. Et bien, Duke, il a donc écrit cette petite œuvrette, cette œuvrette, donc Stevedore's Tramp, mais qui nous permet de nous exprimer d'une manière allègre pour terminer allègrement cet allègre concert. Et je remercie personnellement mes camarades de m'avoir invité parce que j'ai passé un très bon moment, de nombreux bons moments. Et je pense en passer encore un dans Stevedore's Tramp et Mac.
Et merci à nos amis de la Sono qui ont été formidables. Merci beaucoup. Super. Et un grand bravo pour tous qui nous ont précédés et qui me font penser que la retraite est prochaine. Alors si vous avez un petit peu de sous qui vous reste avant de payer le troisième tiers, ben, vous pouvez vous procurer des listes de l'orchestre et puis voilà. le disque que j'enregistrerai avec mes épouses chérie. Merci, un très beau disque. Merci. Concertation avec le comité central et le bureau politique aussi, donc dans les rues de Mulhouse. Thank you.
Merci.